Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la 11e vidéo dédiée à Kubernetes. On va franchir un cap de plus avec la découverte des fichiers YAML, les fichiers descriptifs. Donc, descriptif au sens d'opposition à impératif, ça je vous invite à aller voir dans les vidéos de Notion où j'explique la différence entre les systèmes descriptifs et les systèmes impératifs. Donc le descriptif, en fait, c'est en gros, on demande à un système de mettre en place l'infrastructure et c'est pas nous qui sommes maîtres du déploiement, donc en l'occurrence Kubernetes, et donc c'est lui qui va se charger de maintenir le système tel que nous on le souhaite et tout mettre en œuvre pour pouvoir aboutir à cela. Et le système impératif, c'est assez différent, c'est par exemple un apt-get install, et là en l'occurrence c'est l'utilisateur qui va aller lui-même instancier les éléments dans le système. Alors, pourquoi passer par des fichiers de configuration? Bah, tout simplement parce que là on l'a vu, on a fait quelques petits tests avec la commande line, la CLI, mais en abuser bien sûr, ça craint comme je l'indique. Le but, bah, c'est beaucoup plus préférable, pardon, de passer par des fichiers de configuration parce que souvent avec Kubernetes les choses sont beaucoup plus complexes que bah, les simples lignes qu'on vient de faire dans les vidéos précédentes. Alors autant qu'avec Docker on pouvait faire déjà beaucoup de choses à partir de la ligne de commande, autant avec Kubernetes on est limité par rapport à l'étendue de ce qui est possible de faire avec. Et c'est aussi un moyen bah, de sauvegarder nos déploiements, nos services, etc. par le biais de ces fichiers, puisqu'en fait on va les versionner, on va les gitter, ce qui va être bah, une sorte en fait de sauvegarde de notre infrastructure et de pouvoir rejouer bah, quand on le souhaite. On va rappeler bah, ces éléments qu'on va avoir gittés, ces fichiers, on va le rappeler et ça va nous permettre de réinstancier très rapidement notre infrastructure. Et ça permet aussi d'utiliser par exemple des outils comme des schedulers, comme Jenkins ou Rundeck pour pouvoir mettre en œuvre bah, ces fichiers de déploiement. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à une chose simple, pas essentielle, mais simple. C'est un premier pas vers la CLI, c'est quelque chose qu'on découvre. On va pas rédiger, donc le but à terme, c'est de rédiger nous-mêmes nos fichiers, bien sûr, de configuration. Là, on va découvrir comment faire à partir du moment où on a lancé des déploiements, par exemple, ou des services. Comment générer directement le fichier de configuration. Alors, nous, on va commencer par faire un kubectl create et deploy, et on va créer un déploiement qu'on va nommer mon Nginx ici, et à partir d'une image Nginx. Alors, hop, donc là, c'est parti. Donc, on fait un kubectl create deploy mon Nginx. Tirer, tirer. Donc là on précise l'image Docker qu'on veut utiliser, donc la nginx 2.latest dans mon cas. En bas vous voyez que j'ai fait un kubectl get all-o-wide et en fait j'ai mis un watch dessus toutes les 2 secondes. Donc là on va voir que notre déploiement va arriver. Voilà, notre déploiement est arrivé. Donc vous voyez qu'un déploiement ça instancie pas mal de ressources. Donc ça instancie un pod. Le service, ce n'est pas lui qui l'a instancié, il existait déjà auparavant. S'instancier un déploiement et un replica set de 1. Voilà. Donc ça, c'est un premier élément. Nous, ce qu'on veut faire, à partir de ça, on va générer un fichier YAML. Donc pour faire ça, on va faire un kubectl get deploy mon Nginx. J'ai mis Nginx, non, c'est mon Nginx, je corrigerai. Tirer O le format YAML et le fichier dans lequel on veut le coller. Donc on va faire un kubectl get deploy ouais, mon nginx, hop là, nginx tiret o comme output format YAML, et ça on dit qu'on le met dans mon deploy point yml. Voilà. Toc. Donc là si je fais un less de mon deploy, j'ai quoi? Hop. Là, j'ai un fichier qui contient le déploiement de mon Nginx, tous les éléments qui sont dedans. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement l'éditer un petit peu, parce que vous allez voir qu'on a des éléments. Par exemple, on a des éléments, alors on peut les laisser, hein, vous allez voir, c'est pas grave, on va les laisser, mais la création timestamp, par exemple, ça, c'est les éléments qui ont été créés par Kubernetes, donc des métadatas, quoi, en fait.
qui ont été créés pour indiquer la date de création du pod. Si je fais un output et que je veux relancer les choses, c'est pas forcément intéressant de relancer la date de création, d'autant plus que Kubernetes en aura pas grand-chose à faire, puisqu'en fait, le pod, quoi, cette date de création timestamp sera mise à jour par la réelle date quand on le relancera, en fait. Voilà. Qu'est-ce qui n'est pas intéressant aussi? Tout l'aspect statut qui est ici, ça on peut le supprimer. Voilà, toc toc toc. Voilà, on peut faire ça. Et puis bon, le reste, on va le laisser, c'est pas grave. On peut le relancer tel quel, il n'y a aucun souci. Voilà, donc en gros, hop, ce qu'on a fait, on a notre déploiement qui tourne. Moi, ce que je vais faire, je vais le supprimer. Je vais kubectl delete deployments mon-nginx. Voilà, donc là, on voit que nos éléments vont disparaître. On va attendre que le pod disparaisse. Et on va lancer notre fichier YAML et vous allez voir que ça va générer exactement la même chose que ce qu'on avait, c'est-à-dire un pod avec un déploiement et ce qui va avec. Un réplica set, pardon. Kubectl, donc pour lancer, on fait un kubectl apply-f et le fichier en question. On le lance. Là, il nous dit qu'il est créé et vous voyez, ça y est, on a notre pod qui a été créé, qui est en cours de création, pardon. Notre déploiement qui a été créé et le replica set exactement comme ce que l'on avait auparavant. Alors ça, c'est valable pour les déploiements, mais c'est valable pour tous les objets, toutes les ressources. Donc on verra dans une prochaine vidéo la liste des ressources de Kubernetes, en tout cas les principaux éléments. Donc tous ces objets. On peut faire la même chose avec les services. Souvenez-vous, le service, c'est le moyen d'exposer notre pod, en fin de compte, à l'extérieur ou en tout cas donner le périmètre d'exposition de notre pod. Donc à l'intérieur, quoi, pas exposé du tout par exemple, exposé uniquement à l'intérieur de notre cluster ou exposé à l'extérieur pour le rendre public. Donc nous ce qu'on va faire, on va recréer un service ici. Donc sur, on va dire qu'on expose en type node port le déploiement qui s'appelle mon Nginx sur le port 8080 dans le cluster du port 80 du conteneur. Donc je lance ceci. Donc là on va avoir, vous voyez qu'on a un service supplémentaire qui a été créé, pardon. Et donc là, on va faire exactement la même manière. Alors on va le faire comme ça. Donc hop, kubectl get services-o. Le format donc YAML. Hop. Et là on va dire mon service.yml. Donc là, j'ai généré le fichier de service. Donc si je fais mon services.yml, toc, voilà. Donc là, on retrouve aussi tous les éléments qui permettent de créer un service. Alors là, les éléments sont assez conséquents. On le reverra quand on fera un fichier de configuration de service. Ça peut être beaucoup plus court parce qu'en fait, là, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été édulcorées, pardon, par Kubernetes, comme les dates de création, mais aussi d'autres éléments. Les UID, que lui, c'est lui qui les définit, donc il n'y a aucun intérêt à les prédéfinir, par exemple. Donc là, on a généré deux fichiers. Ce qui est intéressant aussi, donc on va le voir. Donc, je vous ai expliqué qu'on peut lancer donc nos deux fichiers de manière séparée. Mais la bonne méthode, c'est que voilà, on crée un déploiement, en même temps, on sait qu'on va créer le service qui va avec parce qu'on veut utiliser ce service. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire un cat mon deploy et mon service. Et on met ça dans, par exemple, on va l'appeler mon nginx.yml. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de concaténer nos deux fichiers en un seul fichier. Alors la petite subtilité, c'est que à chaque intervalle entre les deux fichiers, donc à chaque API version, si vous le voyez ici, on va rajouter simplement, ça c'est du pur YAML, les trois petits tirets pour indiquer la différence à Kubernetes. Donc là, on va recliner tout. Donc là, je vais faire un delete de services. Mon Nginx et puis on va faire un kubectl delete de deploy de mon Nginx également. Voilà. Donc là on va cleaner tout
Et ce qu'on va faire, on va lancer ce fichier unique qui va nous lancer, vous allez voir, le service et le deploy, réplique asset, etc. Donc là, on fait un cube CTL apply-f et là, on va utiliser le fichier YAML mon-nginx qui compile à la fois le déploiement, quoi, le déploiement et le service. Donc là, on le lance. Bon, c'est pas très grave. Là en l'occurrence, vous voyez qu'on a un déploiement qui a été créé, son réplique asset. Donc on reverra les aspects réplique asset, etc. Et le pod, mais aussi le service. Voilà, on a fait d'une pierre deux coups. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un premier pas vers. On va vers la configuration, vous voyez, vers les fichiers YAML. On verra dans la prochaine vidéo les différentes ressources de Kubernetes. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à commenter. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.